Do like a pony now. Turn to the left. When I say G, you turn. Tim, tu veux nous partager quelque chose? Salut. Moi, c'est Tim. Et je suis addict. Ça fait 9 mois que je suis clean. Quand j'avais 16 ans, on m'avait demandé de m'occuper de mon petit frère. Et moi, j'avais avalé des tas d'antidouleurs et j'étais complètement dans le gaz. On était allé en voiture juste au parc là au bord du lac. Il portait des chaussettes rouges. Il s'amusait à courir sur les tas de feuilles et il jouait à m'enterrer et moi je me suis aussi enterré avec les feuilles. Il disait qu'il était un train. Il jouait à courir sur les feuilles et il traçait des rails avec ses pieds. Et moi, j'étais le wagon de queue. Je me rappelle, il disait. Du charbon pour la loco, du charbon pour la loco. Après, c'était le moment de partir. Je conduisais pour rentrer chez nous. Et j'ai perdu le contrôle de la voiture. Elle est passée par-dessus le pont et j'ai pas réussi à détacher mon frère de son siège. Il s'est noyé. Depuis, je lutte sans relâche avec Dieu parce que
Je sais que ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Je vis avec, mais... Mais dans le fond, je veux pas me le pardonner. Parfois, j'ai même pas envie de me tourner vers un dieu qui serait indulgent avec moi. Mais je veux aller bien. Je suis en vie, je suis bien là. Et y a rien qui peut prendre le contrôle sur moi. Si je fais du mal, je fais du mal. Je peux demander pardon et on peut me l'accorder ou pas. Je voulais juste partager ça avec vous et vous dire félicitations si vous avez trouvé un dieu qui vous aide à relever la tête. Mais si c'est pas le cas, venez ici. C'est tout. Merci beaucoup, Tim.